Nouvelle semaine sur e-racing et donc nouveau circuit. Cette semaine, donc, on reste sur la roof et c'est le circuit de Suzuka. Donc, circuit que je connais relativement bien, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Difficulté, c'est que, bon, encore une fois, j'ai pas fait beaucoup de tests au niveau de ce circuit, mais bon, je l'ai fait sur Air Factor, je l'ai fait sur assez tôt. On va dire que le principal du circuit, je le connais. Il y a notamment la chicane qui est un petit peu difficile à appréhender derrière la ligne droite, donc on va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, ça va partir. Donc, qualif, pas topissime. Je suis 13e. Je suis encore sûr que je vais chier mon départ. Du mal à trouver le point de patinage sur cette caisse. Encore une fois, manque d'entraînement. Ah ouais, mais grand, si tu poses pas le premier. Allez, on laisse s'engager, c'est pas grave, on laisse passer. De toute façon, ça se met au toit tout seul. Sous lui. Allez, lui, on va se le faire facilement. Ah, il lâche rien en fait. C'est chiant de suivre quelqu'un de près d'ici. N'y a pas vraiment de moyen de doubler. Si on sort plus ou moins vitesse égale du virage, c'est compliqué. Voilà, c'est exactement ce que je dis, même avec la spi, en sortant plus ou moins pareil, je rattrape pas suffisamment pour le prendre là-bas, donc lui freine tôt.
Bon, ils sont là, donc. Allez, on va se montrer. Fait pas mal de fautes, hein. Il sort pas mal de fautes, donc à mon avis il va s'énerver, mais bon, c'est toujours frustrant de d'être plus rapide, de devoir patienter, parce que clairement de toute façon il va pas se laisser faire, et bon, c'est pas ce que je lui demande, mais faut retrouver la faille. Je colle pas trop près, donc je vais peut-être sortir mieux. Là, il y a encore un beau petit paquet devant pour le top 10, c'est jouable. Ce qui fait toujours peur, c'est le crash. Oh oui. Je vais pas me mettre derrière Alex, hein. C'est Alex devant, Alex Fournier, donc je le connais pas, hein. Mais quand je vois où il freine, allez là ça sort. Là, je suis sorti. Donc, logiquement, il sait que je suis plus rapide. Logiquement, il va pas forcer. Bon, dans la dernière droite, on est un peu. Ah, il lâche pas. Ouf, ça a passé, mais c'était juste. Hein. You got it.
Allez, je suis 14e, je crois. Allez, il reste 20 minutes. C'est bien, il y a de la bagarre, il y a du peloton. Quand même assez instable cette roue, il faut vraiment que je passe les rapports assez tôt pour reprendre un peu de grip. La chicane, là où je peux pas dire toujours, mais il me fait peur. Alors là, de toute façon, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je pense que vous l'avez vu. Le fait d'être patient, tout ça, c'est vraiment suivre les conseils d'Adam. C'est pas pour lui passer de la pommade ou quoi que ce soit, mais comme il a beaucoup plus d'expérience que moi, j'aurais largement attaqué avant. Parce que de toute façon, là on le voit bien, il y en a pas mal qui se sont mis au tas. Donc ronger son frein, être patient. C'est un peu la clé en tout cas pour ce type de catégorie là où je suis actuellement, et visiblement c'est le cas pour d'autres catégories aussi. Ouh, tu freines où toi? Bah non, là je me tape un fois 4, non, je suis. Bah non. Là je suis désolé, non, je suis pas d'accord. Ah, bref. Je l'ai pris de l'intérieur, déjà il a freiné, je sais pas pourquoi. Allez, on se concentre, c'est pas grave, j'y suis pour rien. Allez, on va voir combien on est. 11e, donc je suis pas loin du top 10, comme je l'avais dit, il reste 17 minutes. Malheureusement, je crois que j'ai tapé un petit peu dans mes pneus. Je suis un peu plus rapide que devant au niveau de l'enchaînement. Ça, c'est pas mal. Je vais un peu vite là, hein. Je ne cache pas que j'ai un peu peur. Hein.
Ouais, il a failli la perdre aussi devant. C'est peut-être ma chance. Il va garder l'intérieur. Allez, on va lui faire croire que. De toute façon, je vais tenter ma chance. Il sait que je suis là. Je ressens un peu moins vite. Voilà, il nous reste 14 minutes. Ouais, top 10 pour l'instant. Contrat rempli. Bon, l'avantage c'est que je connais le circuit. Alors, même s'il est sur iRacing et j'y ai pas tourné beaucoup dessus. Ça aide un petit peu on va dire. Allez, je me sens pas trop mal. À faire peur pour le point de freinage. Juste pour mettre la pression. J'irai pas plus loin. Petit cochon. Hein. Ça, il y a encore 4-5 courses, je tentais de passer.
je perds du temps. Hein. Derrière, ça revient. Enfin, je me trouve vertueux parce que. Déjà de une, ça s'envole devant. Derrière, ça revient dessus. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'a fait lui? Allez. Bon, ça aurait pu être pire, hein, mais. C'est pas encore là que je vais l'avoir. Merde. Ouais, mais te décale pas, je vois pas mon point de freinage. Ouais, on lui fait peur, allez, on lui fait peur. Je manque d'accélération forcément, je manque d'accélération parce que je passe ma vitesse très tôt, sinon c'est pas la peine. Allez, encore une fois, on va lui faire peur, de toute façon on peut pas doubler là. S'il ne fait pas d'erreur, j'aurai du mal à choper, hein, de toute façon. Ces pneus, je pense qu'ils sont autant fatigués que les miens. Il reste 5 minutes, un peu plus de 5 minutes. On va dire à peu près 3 tours. Faut qu'il se loupe à la chicane ou quelque chose comme ça.
Là, je suis plus rapide, mais bon, de toute façon, je peux rien lui faire. Yes. Là, tu vas t'occuper que celui derrière. Et nous, on va essayer de pas faire d'erreur. Alors devant ça, 7 secondes 6, on vous dire il reste 3 minutes 40, c'est pas la peine. On va d'une erreur de sa part. Voilà les pneus. Jack Pedro qui était derrière moi s'est loupé. Dommage que j'ai merdé mon départ, ça fait chier. D'ailleurs, je vous parle, j'ai pas encore regardé le circuit pour la semaine prochaine. J'espère vraiment l'avoir. De toute façon, bien évidemment, je vais pas le racheter parce que je sais toujours pas si je reprolonge mon abonnement. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu de belles courses, donc allez, dernier tour.
bon, j'ai pas fait d'erreur. Je me suis pris un x4. Je sais pas encore si je pourrais vous incruster le ralenti. Mais je pense pas être trop coupable. Mais bon, comme quoi, j'ai pas trop fait attention pendant la course, ça m'a permis. Rester concentré. Bon, en ce moment, j'ai un peu plus de course propre sur iRacing que sur les autres jeux. Et même en team, c'est un petit peu dommage. En même temps, on n'était pas 30 non plus. Voilà, 9ème. Bah, écoutez, je commence à m'y faire, cette petite roue. Elle est assez délicate à conduire, assez instable. Faut vraiment se méfier, y aller doucement. Mais bon, encore une course plaisante, plus intéressante que la précédente. Donc c'est plus intéressant pour vous à suivre et encore plus intéressant pour moi à conduire. Donc c'est tout bénef et en plus j'ai dû passer gagner pas mal de points. On va dire que c'est le bonus. Le principal c'est de s'amuser en piste. Le reste, c'est du bonus. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour une prochaine course. À la prochaine, salut.